Psaume 33, le verset 8 à 9. Chant 1,
le verset 1 à 3. J'ai lu Genèse 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informée et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Celui qui a déjà trouvé notre verset, Psaume 33, 8 et 9, nous avons la parole de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Jean 1, 1 à 3, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu, et elle est quoi? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, amen. Amen. Maintenant, peuple de Dieu, comprenez ces versets. Comprenez ce qu'on vient de nous lire. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Donc, j'ai compris quelque chose. Avant la création, avant que les choses commencent à être. Amen.
C'est fini. Amen.